On se retrouve aujourd'hui pour parler de François Vallée. Originaire des Côtes du Nord, il rejoint la France libre en 1941 et sera recruté par les services secrets britanniques du SOE. Il est affecté sous les ordres du colonel Maurice Buckmaster à la section F, section chargée du territoire français, et sera parachuté le 17 juin 1943 en Ille-et-Vilaine. Le fond François Vallée est composé d'une tenue complète, vareuse modèle 39 et culotte modèle 29, d'un ceinturon en cuir, de plusieurs insignes, broches et médailles, et d'une boussole. Cette boussole modèle 14-18 en forme de cylindre aplati est une boussole directrice de la marque française Morin, utilisée par l'infanterie française au cours de la Première Guerre mondiale, ce qui lui vaut d'ailleurs le terme de boussole de poilu. Cette boussole a la particularité de posséder des repères réalisés avec une peinture au radium permettant la lecture dans l'obscurité. François Vallée avait également fabriqué une petite housse pour sa boussole en drap de laine réalisé dans le reste d'une capote bleu horizon. Ces objets avaient été conservés par la famille et donnés au musée en 2019. Illustre figure de la résistance en Bretagne, le capitaine François Vallée s'installe à Rennes après son parachutage et sera chargé de monter un réseau qui s'appellera le réseau Oscar Parson. Le réseau s'étend de Saint-Malo à Nantes et a pour objectif d'aider les Alliés à isoler la Bretagne du système défensif allemand au moment du jour J. Les premiers parachutages commencent en juillet 1943. Le réseau Oscar recevra une trentaine de tonnes d'armes et d'explosifs et recrutera environ 2000 hommes. Le réseau cesse d'exister au début de l'année 1944 suite à l'arrestation de nombreux membres par la Gestapo. Le capitaine François Vallée est traqué et dénoncé aux Allemands en février 1944. Il sera déporté au camp de concentration de Gross-Rosen et exécuté à une date inconnue, vraisemblablement en août ou septembre 1944. François Vallée a été fait compagnon de la Libération. Vous pouvez retrouver sa fiche biographique complète sur le site de l'Ordre de la Libération.